Mom, I'm really sorry about this morning. Rachel. That's what she calls you. But that is not who you are. Let my mom go. This woman is not your mother. Tell her. No. Tell her. I'm not your mother. But I do love you. No. You have put inside your heart, sweetheart. Don't do it. There. Now that's better. Il y a quelques temps, j'ai fini de regarder la série Titan, et je peux vous dire que je suis bluffé, casting au top, super histoire. J'étais réticent au départ. Étant déçu des dernières saisons de Arrow, Flash, Gotham et Legion of Tomorrow, je me suis dit que cela n'allait pas être de top niveau. Eh bien, je me suis totalement trompé, et ce que j'ai le plus aimé dans cette série est le personnage de Rachel Ross, alias Raven. Et si vous ne connaissez pas ses origines dans les comics, je vais vous les expliquer. La mère de Raven, Angela Ross, ayant grandi dans une famille sans éducation ni amour, décida de partir très tôt de chez elle et se retrouva dans une secte satanique. En échange d'un hébergement, elle devait se mettre en couple avec un démon, ce qu'elle fit et s'unit avec le démon Trigon. Démon ayant la capacité de voyager à travers les dimensions, il ne lui montra jamais sa vraie apparence, jusqu'au moment où Angela tomba enceinte de lui. Effrayée, Angela partit de ce groupe satanique et fut recueillie par des prêtres de la planète Azarath alors qu'elle tentait de se suicider. Afin que Trigon ne la retrouve pas, les prêtres la nommèrent Arella. Azarath fut un monde où Arella a toujours souhaité vivre, calme et à l'abri du mal. C'est ainsi que naquit dans ce monde Raven. Elle fut éduquée par Azar, la matriarche de Azarath. Raven étant la fille d'un démon et détentrice de pouvoirs surpuissants, qui peuvent être exploités par son père, qui pourrait non seulement ramener Trigon dans notre univers, mais aussi détruire n'importe quelle planète. Mais les émotions de Raven peuvent déclencher ses pouvoirs, ce qui fait qu'elle ne voit que très rarement sa mère. Les habitants d'Azarath ne doivent pas ressentir de sentiments pour elle. Et elle est éduquée de façon à ce qu'elle ne puisse ressentir de sentiments. La seule émotion qu'elle a est une haine envers son père qu'elle ne connaît pas. Pendant 17 ans, elle fut entraînée au combat. Un jour, Trigon, revenant sur Terre, elle le ressentit. Et alla donc chercher la Justice League pour le combattre, mais tomba sur Zatanna, une anti-héros. Ce qui fait que Raven ressentit le mal autour d'elle et refusa son aide. Et alla donc chercher les Teen Titans, qui s'étaient séparés il y a quelques années. Elle réussit à les réunir en manipulant leurs émotions. L'équipe réussit à vaincre Trigon et c'est ainsi qu'il fut enfermé dans une prison interdimensionnelle. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous connaissez un petit peu mieux le personnage de Raven. Si vous n'avez pas encore vu la série Titan, je vous la conseille fortement. Ne soyez pas comme moi au début réticent à cause du ton assez comique des séries du style Arrow, Flash ou Legion of Tomorrow. Là, c'est totalement l'inverse, c'est complètement dark. Je vous la conseille totalement, c'est dark, gore, et c'est très intriguant. Sur ce, à bientôt tout le monde.